the training center for young farmers here. Fidesco has appointed Cecile to come back to Manado. Anes, who is at present here, both of them will be the one, together with the some people of the diocese, to make a kind of research and about questioning here and there about the possibilities of renewing. And donc vous avez bien compris, on ne peut pas refuser. Hein. Est-ce qu'ils ont déjà reçu une formation? Si oui, comment ça s'est passé? On essaie de voir un peu les côtés positifs et les côtés négatifs pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et s'ils sont intéressés, quel type de formation serait important pour eux? En fait, après, la discussion, elle va être plus ou moins longue. Ça va dépendre des réponses, ça va dépendre de la personne qui est en face de toi. Et si tu vois que c'est une personne qui a beaucoup d'idées ou pas mal de répondants, bah, tu peux aller plus loin, tu peux essayer de creuser. Les gros problèmes qu'ils ont, c'est les prix du marché qui sont toujours très bas parce qu'il y a une grosse quantité qui sont vendues. Ils sont tous agriculteurs, ils vendent tous sur le même marché. Donc nous, après, on peut voir est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions pour utiliser les surplus des productions en transformant les produits, tout simplement.